Salut à toutes et à tous, c'est Egan et bienvenue pour ce 7e épisode de Batman Arkham Asylum. Et du coup, hop, et oui, c'est la fin. Non, je rigole, c'est la fin, n'importe quoi, c'est la fin pour eux en tout cas. Il y a beaucoup, il y en a, voilà, il y en a deux désarmés et un armé, c'est quand même pas mal. Normalement. Bien, bon bah je l'ai eu du premier coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que vous avez aimé cette, voilà, c'est le dernier épisode, pardon, le dernier épisode, il était pas mal, franchement, on a bien avancé. Et par contre, je voulais vous dire un truc, on est toujours dans la même session, on est qu'au deuxième épisode de la session, et pour moi, je pense que là, on n'est pas prêt de s'arrêter là, aujourd'hui, en tout cas, voilà. On continue, tranquillou, à la recherche des documents de notre cher Dr. Jung. Y'a rien. Y'a rien. Mais attends, c'est où du coup? En bas, y'a rien. On peut pas passer la porte. Du coup, y'a peut-être un truc. Merde. Super. On me casse la gueule. Ah, attendez. J'ai vu. Bien, on d'un pis sur rase comme un intérieur et puis... Voilà. Voilà. Bon, bah en tout cas, c'est plutôt sympa. Cool. Et avec... un esprit d'Arkham. La douleur et la souffrance qui s'insinuaient dans les veines de Gotham furent ressenties partout. Par mon père, d'abord, touché par une terrible maladie. Ma mère survécut, mais dans son monde. Je rejoignis la maison familiale pour m'occuper d'elle, tandis qu'elle conservait le lit jusqu'à son dernier souffle. Ses pleurs me tenaient éveillé la nuit. Il a eu une belle vie, hein. Une vie très sympa. Franchement, ça donne envie d'être son ami. On a pitié de ce mec. Franchement, il a vraiment pas eu peur. Arrêtez-moi, vous. La bonne nouvelle, d'abord. On a le docteur Jung. La mauvaise nouvelle, elle ne parle pas. Elle a caché un document dans le manoir. Trouvez-le. J'ai quelques idées pour lui délier la langue. Mais, en attendant, fouillez bien partout. Une récompense attend celui qui la trouve. Je dois trouver ces notes avant le Joker. C'est pas ça. Bien, en tout cas. Allez, attends, on va se calmer. Je vais vous péter la gueule, moi, vous allez voir. Ah, c'est beau, même si je me fais frapper, c'est beau. Allez, hop. Voilà, c'est bien ça. Ah, c'est beau. Bon, ça c'est moins beau. Voilà. Nickel. Putain, tu vas me faire chier longtemps ou pas? Merci, c'est gentil de m'encourager, même si on n'est pas dans le même camp. Oh, la vache. Mais je sais. Je vais mourir. Ouais, j'en étais sûr que j'allais crever. Il faut que je sois un peu plus réactif. Mais oui, mais moi aussi, je me croyais plus fort, Joker. Qu'est-ce que tu penses? Bonjour. Regarde ce que je vais faire, regardez. Hop là. Mais en attendant, il est bien partout. Une récompense.
Eh oui, bah oui. Bah oui, ça fait bobo, ça fait bobo. J'utilise les gadgets, moi je suis un malade. Je pense pas que les vieillards se battent comme ça. Allez hop, on utilise la ruse. Avec eux on utilise la ruse. Et on reprend la même et on recommence. Alors. Voilà. Oh le strike. C'était beau ça. Voilà, ferme ta bouche. Attends, attends, je me casse, je trouve que c'est pas vraiment jouasse. Allez, suivez-moi. C'est par en haut. Et hop, salut. Trop drôle. Carambar, qu'est-ce qu'on se marre. Allez. Allez, salut. Tiens, toi tu m'emmerderas plus. Bien. Eh ben mon dieu. C'est pas de tourpeau. Je dois trouver ces notes avant le Joker. Ok, on va trouver les notes du Dr. Young de toute façon. Sinon on pourra pas avancer dans l'histoire de toute façon. Alors, ça ne nous aide pas, on a aucune piste, mis à part que... Ouais, si, bah si, forcément, je pense que c'est de l'autre côté. On continue. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave, mais... Je voulais le grappin, en fait, voilà. Voilà. Tu entends ça, détective ? C'est moi qui applaudis à ton succès. Tu n'entends pas ? Je suis pas question d'avoir trouvé ce trophée. Bien. Et une amélioration que l'on va... faire une fois que j'aurai pété la dent, la mâchoire plutôt, c'est plus un dentier, voilà un dentier, pas la dent, un dentier. Voilà. Alors, amélioration. Ouais, je sais pas. Non, on va prendre ça. Hein. De quoi ? Tu parles de quoi ? Allez, Batman ! Nickel ! À quoi sert ce collier ? Pourquoi il fait ce bruit ? C'est le collier suicide ! Il est bizarre ! Collier suicide ? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman ? Est-ce que tu t'amuses dans... voyons... dans la l'Ouest ? Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi ? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Cash est à côté. On dirait qu'il se fait frapper. Vous devez l'aider. Je m'en occupe. Restez là. Collier suicide. Le mec, il a vu aucun saut. Batman n'a vu aucun saut. C'est dommage. Il n'y a rien. Bon, allez, Cash, tu es où ? Ah.
contact le Tucker. Plus vite qu'il ne veut pas parler. Encore eux, il veut pas parler. Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Oh, que si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te délier la langue. Et mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y prend. Quel échat un peu. Je peux, est-ce que je peux faire un petit truc genre... Libérez-moi. Ouais, bien là. Toc. Genre... D'accord, ils m'ont vu, je sais pas comment. Je salue mon défunt ennemi. Deux morts dans cet épisode, c'est... Voilà, je crois que je commence à perdre la main. Je perds la main. Contacte le Joker. Dis-lui qu'il ne veut pas parler. Dis-nous où est cette garce. Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Oh, que si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te délier la langue. Et mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y prend. Je veux pas savoir. Allez, hop. Dépêche-toi, Batman. Nickel. Quel machin. De toute façon, qui voudrait protéger une vieille pièce pleine de livres? Il a la voix de T-Dog, c'est énorme. Et cette voix-là, je l'ai vue aussi dans Zombie. Ou Zombie U, pour ceux qui ont d'abord joué sur la Wii U. Moi, je l'ai joué d'abord sur la Wii U, par exemple. Et sur PC, j'y ai joué et franchement, je le trouve meilleur sur PC parce que... Bah, je sais pas. Avec la Wii U, c'est plutôt sympa parce que... On a le stress. On a le stress qui... Voilà, on sait pas. Genre, si on met sur pause, il y a toujours les zombies qui peuvent venir et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon, sur PC, c'est plutôt sympa. Allez, séparez-vous. Ça va être lui. Allez, avance. Voilà. Nickel. C'est un peu long quand même. Je suis qu'une personne toutes les deux minutes, c'est un peu... Voilà, faut que je me grouille. Hey, tu m'entends? On se réveille! Mais qu'est-ce qu'on va faire? La ferme, on continue! J'ai eu de la chance, j'ai eu tellement de chance là. Ouais, j'ai failli me montrer, ouais. Attends, je te couvre. Quand vous voulez. Allez, trouvez-le. Ce n'est qu'une vieille salle pleine de livres. C'est si dur que ça. Il me stresse là.
Qu'est-ce que... Ok, ils sont pas là, les deux autres. Allez, tu te tais. Nickel, bon bah voilà. Il a fallu que Claude atterrisse juste à côté de moi pour... C'est génial. Batman, on est attaché. Oui bah c'est bon, j'arrive. Merci. Où est passé le docteur Young? Je lui ai dit de fuir. Ces types sont venus la chercher. Je lui ai dit d'aller se cacher dans son bureau. Elle garde ses dossiers là-bas? Je crois. Elle tenait à tout prix à y aller. Son bureau est par là. Ça fait combien de temps? Je dois trouver ses notes avant que le Joker le fasse. 20 minutes, ou même plus. Pourquoi ces notes sont si importantes? Le Joker les veut. Voilà pourquoi elles le sont. Restez là, je vais la chercher. Pas de problème. J'essaie la radio, pour voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Non mais y a plus personne, hein. Mis à part des prisonniers. Un petit peu partout, c'est pas grave. Merci pour le coup de main. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Allô? Y'a pas de soucis. Contrôle d'Arkham, vous me recevez? Terminé. J'aurais dû faire quelque chose. Ouais. Ta maman aussi. Prendre la pilule. Alors, c'est par là. C'est pas par là, c'est pas par là. C'est forcément par là, non? Ok, ça dézoome, donc ça veut dire qu'elle est en haut. Donc on est bien en haut là, non? À moins que ce soit à côté là. Y a quelqu'un, s'il vous plaît. Répondez. Là ouais. Là ouais, 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 c'est ça. J'en suis sûr, c'est par là. Tu cherches les notes tout seul? Attends. Bonne chance. Une de mes équipes travaille, le docteur, à l'instant. Ils lui feront bientôt cracher la formule. J'en suis sûr. Sans parler de l'armée de clowns qui démolit. D'une façon ou d'une autre, la formule sera à moi. Jamais. Oh, un mystère. Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se complique à partir de là. Ok, on peut pas passer, super. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Là, je peux peut-être, non? Y'a pas un endroit où je peux y aller? Non. Peut-être par là. Ce serait énorme. Ah bah si. Ouais, c'était ça, super. Elle souffrira pas. Tu l'as déjà dit il y a 10 minutes. Nickel. Mais dire toi, pas moi. C'est là. Une seconde. Merde. Quel crétin. Le Joker va pas être content. Tu sais ce que ça veut dire. Allez, salut.
Ils sont musclés, mais ils sont cons. Les sbires du Joker tentent d'entrer dans ce bureau. On dirait qu'ils n'ont pas pris la porte principale. Je dois trouver une autre entrée. Allez, l'entrée se trouve à la morgue. C'est génial. Nickel. Je suis content, ça se passe plutôt bien, ouais. Ça se passe plutôt bien. Oh, c'est dégueulasse. On a perdu du temps avec les gardes tout à l'heure. On a perdu peut-être 5 minutes, mais c'est vrai que au fond, on avance plutôt pas mal dans Batman là. Quelqu'un a déjà ouvert le coffre. Reste à découvrir de qui il s'agit. Il n'a pas été forcé. Celui qui l'a ouvert connaissait la combinaison. Voyons. Bien. Young a atteint ses notes avant le Joker. Elle les a prises pour les cacher. Je dois la suivre pour voir où elle les a mises. Eh ben comment tu veux la trouver ? Alors. Ah bah voilà, ok. Oracle, je piste le docteur Young. J'ai dû régler le scanner pour voir uniquement les empreintes fraîches. Ces traces me mèneront à elle. Ou à ses notes. Croisons les doigts, juste pour info. Le GCPD a trouvé une bombe du Joker dans le centre, bourrée de pâtes d'amande et de chatons. Je le savais. C'est juste pour faire diversion. L'important, c'est Arkham. Je le savais. Il est pas méchant, le Joker. Sujet trop petit. De quoi il parle ? Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que ça. À ce train-là, tu ne me vaincras jamais. Eh bah si. Bonjour. Allez, prends-en ta gueule. Alors c'est tout, bah. Et boum ! Il faudrait que je m'entraîne encore, hein, parce que... Les QTS sont pas si exceptionnels que ça. Hein. Ok, bon, ça va. C'est pas dangereux. Parfait, bon. Je peux rien faire. Il n'y a plus qu'à aller voir le docteur Young. C'est par là. Oh, le petit lag. Écran de chargement de ouf, quoi. Ce type est dingue. Impossible. Il respire encore. Zaz ne laisse jamais se prendre. Mais non, c'est pas Zaz. À votre avis, qui c'est ? Moi non plus, ça m'amuse pas du tout. Eh bien, c'est moi. Il est là. Eh oui, c'était moi. Bon. On n'a plus qu'à retrouver le docteur Young. Allez, on avance. On avance. Bah, peut-être pas la retrouver là, mais... au moins qu'on avance dans l'histoire, parce que là...
c'est vrai qu'on tarde un peu. Mais c'est vrai que c'est important. J'aurais déjà résolu toutes les énigmes alors qu'il est. Le pingouin, super, on l'a trouvé. Où est-ce qu'il en est? Je sais pas. Joker révèle pas ses plans. Elle tremblait. Elle savait peut-être qu'il attendait. Peut-être. On dit qu'il a pris quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et Batman! Bonjour. Je suis le livreur de pizza aux anchois. Ou alors à la mozzarella. Au choix. Pas confondre avec Ushuaïa, qui est une émission. Qui est aussi un nom. Qui vient d'Haïti. Oh, ah. Je suis trop fort. Je manquais de temps. Oui, bien sûr, oui. Super, super génial, ça. Il est là. Bienvenue à la bibliothèque d'Arkham. Un meurtre par là. N'importe qui deviendrait fou. Allez hop, toi tu dégages. Super. Boum! Super. Félicitations! Tout ce que tu as à faire, c'est de faire un tour en bas pour sauver ces pauvres otages. Compris? Ok, ça pue le piège. Je veux pas dire, mais ça pue le piège. Le pire, c'est que je me souviens très bien ce qui se passe. Et j'ai hâte d'être dans 5 minutes pour pouvoir faire la suite. Parce que là... Et du coup, faut pas que je perde de temps. Parce que je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis, abonnez-vous si vous voulez, aimez cette vidéo, commentez-la. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Tout de suite, dans la 2, c'est-à-dire demain pour vous. Pour la suite. Quelle frustration! De Batman Arkham Asylum. Tu pensais que ce serait facile, n'est-ce pas? Tu n'as rien appris ce soir? Dans 2 minutes, du gaz hilarant remplira la pièce. Le public se mettra à pleurer de rire. Et puis, il mourra! Voilà, et c'est vraiment 2 minutes, hein, c'est vraiment 2 minutes. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, abonnez-vous si vous voulez aimer cette vidéo, commentez-la, et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous, ciao, bye bye, tout de suite, outro, et salut à tous, ciao, bye bye, bisous à tous.